on est à 30 secondes du début du spectacle. Donc, on attend de rentrer sur la scène, puis ensuite de s'abandonner à Dieu et à la sagesse d'un pauvre. Je suis comme un père rejeté par ses propres enfants. Ils ne me reconnaissent plus. Ils rougissent de moi. Ma simplicité leur fait honte. Que le Seigneur ait pitié de moi, sœur Claire. En fait, on est impliqué dans la soirée, hein? C'est une soirée en collaboration entre la paroisse, la Maison de François et nous, les Capucins. C'est même qu'ils avons proposé à Élise de venir animer cette soirée ici. Parce qu'on est dans la paroisse depuis quelques mois, et puis ben, c'était pour nous l'occasion de nous faire connaître et de partager notre charisme avec les gens. Pas le moindre espace de lumière sur cette figure auparavant si rayonnante. Partout, l'ombre de l'angoisse. D'une angoisse rentrée, plongeant ses racines jusqu'au tréfonds de l'âme et la dévorant lentement. Il y a 7 ans, le livre « Sagesse d'un pauvre » m'est tombé dans les mains, littéralement. J'ai même pas eu à le chercher. Je l'ai lu tout d'un bout pendant une nuit. Puis j'ai été vraiment saisie par la profondeur là, de ce tout petit livre-là qui nous fait rentrer dans la Pâque de Saint-François d'Assise, puis en même temps, bien, dans la Pâque du Christ. Puis quelques années plus tard, j'ai traversé une période assez noire, disons, assez éprouvante. Puis c'est ce petit livre-là, entre autres, qui m'a tenue par la main pour la traverser. Puis ensuite, quand la lumière a commencé à revenir, je me suis dit, il faut le sortir de la bibliothèque, le rendre vivant, lui donner une voix, puis pour que le plus grand nombre puisse découvrir là, vraiment la sagesse d'un pauvre. Moi, je fais partie de la chorale des nations. Bon, moi, j'ai embarqué dans cette aventure par amour pour le chant, parce que j'aime chanter et encore, j'aime glorifier mon Seigneur et mon Dieu. Donc, tout ce qui est en lien avec mon Créateur, mon Dieu, m'attire automatiquement. Au-delà de ça, j'avais une curiosité, connaître un peu la vie de Saint-François. Donc, le tout l'un dans l'autre, c'est ce qui m'a motivée. La partie qui m'a le plus touchée, c'est quand Saint-François s'est retrouvé dans une période très difficile. Oui, c'est une période de sa vie que je ne connaissais pas. Et ça m'a touchée parce que ça m'a rejoint. Moi aussi, il m'est arrivé des moments de me retrouver dans une situation un peu semblable à celle de Saint-François. Et j'ai vu qu'il avait vraiment cette confiance-là en Dieu. Et même le texte le dit, on peut tout perdre sauf la confiance. Et c'est cette confiance-là qui l'a aidé à remonter. Et j'avoue que cette partie m'a vraiment touchée. Je dirais tout simplement que d'abord, j'ai compris que c'est une mission d'évangélisation. Et toute ma vie, j'étais pour la mission. Et d'après même tout ce que j'apporte à la paroisse depuis, là, c'est dans le cadre de la mission. Et je suis très content d'apporter un plus dans cette représentation. Le désir, c'est pas tant que ce soit un spectacle, mais que ce soit un espace de communion où il y a ceux qui sont sur la scène, mais que le public est en même temps, on reçoit en fait une grâce de Dieu, une grâce de qui habite là, ce texte-là, puis qui nous traverse, puis qui fait écho en nous. Fait que de voir combien les gens sont touchés, moi, c'est ma joie. Puis quand ils ressortent avec, tu sais, on peut tout perdre sauf la confiance, Dieu est, cela suffit. Je me dis, OK, ils sont entrés dans le cœur de l'œuvre. François ne donnait plus l'impression d'un homme écrasé. Son visage s'était à nouveau merveilleusement ouvert et éclairé. Et souvent, dans la journée, on l'entendait chanter. Et cela faisait plaisir aux frères. «
le texte est vraiment très profond. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je trouve que Saint-François avait vraiment un regard de foi sur la vie en général, puis sur tous les événements qui lui arrivaient, puis sur les autres aussi. À la fin, il y a une belle chose qui dit « Faut aller évangéliser les gens. Évangéliser les gens, c'est leur dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu en Jésus-Christ. » Mais pas juste leur dire, leur faire sentir qu'il y a quelque chose en eux de plus grand. Les chants, c'était vraiment beau. Puis le guitariste, puis elle qui jouait le violon, ça, c'était assez beau. J'avoue que les chants, ça m'a beaucoup touchée. Puis le texte de Éloi Leclerc, vraiment, c'était profond, c'était simple, c'était doux. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette soirée. Notre chant, François, c'est la chanson. Bien, en fait, moi, je souhaite qu'elle puisse être découverte par plein de milieux. À chaque fois qu'on la joue, c'est une aventure parce que les musiciens peuvent être différents, la chorale peut être différente par rapport dans le milieu où on la présente. Donc, je souhaite qu'on n'ait pas trop de plans puis qu'on se laisse conduire par la sagesse d'un pauvre, un pas à la fois. Moi, j'ai toujours rêvé d'une troupe de théâtre itinérante là, qui porterait la lumière du Christ dans le monde, au cœur de l'Église. Fait qu'on dirait que ça commence.